Et salut à tous, c'est Kerada. On se retrouve pour ce troisième épisode sur The Witcher. Dans l'épisode précédent, on avait trouvé le griffon, du moins on avait trouvé le griffon femelle qui s'était fait tuer par des Nilfgaardiens. Donc ça explique pourquoi le griffon maintenant raide la région. Maintenant on doit aller retrouver Vesemir pour lui annoncer la nouvelle et probablement préparer le combat contre le griffon. Après je sais pas si on va être prêt pour le faire de suite, donc on va voir. On va regarder s'il y a des quêtes à faire en chemin éventuellement. On pourrait passer par là et gratter toutes les quêtes. C'est un peu loin. Écoutez, on va retourner directement à la ville. On va voir. Alors j'ai un mode qui me permet de fast travel à n'importe quel panneau de fast travel. Quel que soit l'endroit où je suis. Je vais m'en servir quand je suis un peu loin. Ou alors si j'ai pas de quête sur le chemin. Par contre, si j'ai des quêtes en chemin, je vais privilégier le trajet en cheval afin de compléter un peu la map. Allez, on va retrouver Vesemir. Elle était dehors, mince. Dites-moi, ce Boyan, vous pensez qu'il va... Oui. Qui a-t-il, loup blanc? J'ai une bonne... La bonne nouvelle, c'est que le capitaine... Et la mauvaise, c'est... Qu'est-ce qu'il pourrait bien demander d'autre à... Le griffon a abandonné sa tanière, on va... Et ça donne quoi? Alors on peut lui dire qu'on a trouvé du nerf, hein? Mais à mon avis on va devoir lui dire les deux choses. Tu veux dire que... Espèce de citadin. La viande pourrie, ça me rappelle le jour où tu as poursuivi un zeugle jusque dans... Tu comptes me rappeler cette histoire jusqu'à... Ouais c'est ça, maintenant on lui parle des infos. J'en sais un peu plus sur lui. Et Nilfgaardiens... Bon, je suis désolé, je passe les dialogues. En fait, je les dis très rapidement, je les lis en diagonale et vu qu'en plus on sait ce qu'on a fait avant. On peut commencer quand tu veux. J'ai pas besoin de les lire de manière très à plus tard, Vesemir. Sérieuse. On va sauvegarder avant. J'ai un peu peur de la quête, je vous avoue. J'ai pas d'huile, j'ai rien, j'ai vieille armure. Je pense que le griffon il peut m'éclater la bouche. Au sujet du griffon. Oui. Je suis prêt. Ça ne sert à rien. J'ai déjà trouvé. Un petit bosquet isolé près des champs. De parfait. Ok. Préparez-vous à affronter le griffon en concoctant la potion tonnerre. Alors, elle est dans l'alchimie. Ingrédients. Pour créer un objet, il faut les bons ingrédients. Vous pouvez voir ici une description de l'objet. Oui, oui, oui. Oui, ok. Utilisez pour sélectionner la formule tonnerre. Alors il me semble que les huiles seraient utilisables à l'infini, donc il faudrait que je me les craft, ce serait fait une bonne fois pour toutes. Tonnerre. Augmente la puissance d'attaque, ok. En vrai il me gave le tuto, je vais pas vous mentir. Je sais même pas comment je vais faire pour les utiliser. Vous pouvez utiliser cette option en appuyant sur haut. Ah, c'est haut et bas pour les potions et gauche et droite pour la nourriture. Ok. Ok, ok. Accélère le regain de vigueur. On va pouvoir se mettre ça aussi. Hop. On va se faire une huile contre les nécrophages. Pour l'huile contre les spectres, il me faut... 4 sablines. Et pour la potion de vie. Ah non, c'est un ingrédient. Ok. Hirondelle, ça c'est la vie. Il me faut la Calidoïne 4 et un cerveau de noyeur. Alors, cerveau de noyeur, c'est pas compliqué. Calidoïne, peut-être que le marchand qui est ici va m'en vendre, ça serait cool. Comment on se retrouve? Merci de m'avoir... On raconte beaucoup de choses sur les sorceurs. Je vois que vous avez... J'attends la réparation de mon chariot. Oh, moitié prix. Yes. Voyons ce que vous avez en... Dis-moi que t'as des trucs alchimiques. Non, t'as rien. Ça a rien. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Sacoche de sel plus 30 au poids de l'inventaire. Ouais. Là, il y a toute une armure par contre qui est légendaire, enfin qui est niveau relique. Qui coûte pas si cher que ça. Je pense que je vais l'acheter. Je vais lui vendre tout ce que j'ai.
Voilà. Et est-ce qu'avec tout ça, je peux acheter des choses? Il faudrait que je sois niveau 4. Je vais lui acheter le full stuff avant d'aller combattre le griffon, peut-être. Il va me falloir 200, 353, 555. Ah oui, il va me falloir au moins 1000 couronnes. Ok. Ok. Au revoir. Est-ce que le jeu considère que le griffon, je l'éclate? Ouais, c'est orange hein, quand même. Trouver d'une ville d'un. Ça, c'est jaune, on peut y aller. Je vais améliorer mes compétences alchimiques. Je pense que ça doit être des passifs avec un peu de chance. Augmente. Alors, ça, c'est le seuil de surdose. Ça, c'est bien parce que je vais utiliser des huiles à donf, moi. Que j'aimerais savoir c'est si oui ou non je dois l'équiper. Ah ouais, il faut que je l'équipe, c'est vraiment nul. Je débloque tout ça quand? Niveau 4. On va aller rush le niveau 4 et essayer de se faire de l'or au passage. On va repasser voir le tableau des quêtes, voir s'il y a autre chose aussi. Qu'est-ce qu'on a? Est-ce que ça m'a fait des... Ça m'énerve de pas pouvoir reconfigurer les touches comme je veux, par contre. Non, ça a pas changé grand-chose. Écoutez, je vais aller me farmer toute cette zone-là, là. Ça me semble pas mal. Je vais mettre un repère là-bas. On va appeler Ablette. Ablette qui est bloqué derrière une clôture. Ok. Le jeu est vraiment joli avec les mods. Je suis vraiment satisfait du rendu. J'ai bien galéré à les mettre. J'avais quelques conflits et tout ça. Même avec assez vite, Ablette. Vortex Nexus mod. Ça déconne pas mal. J'ai refait beaucoup de choses moi-même. Pour la compatibilité en tout cas. Je suis content du résultat. Bon, c'est dommage qu'on puisse pas collecter les ressources en étant à dos de cheval. Bon, on peut pas, hein, je crois. C'est parce que quoi, si ça en plus j'en ai besoin. C'est bien, Ablette. Non, ça marche pas. Par contre, ça j'en ai besoin, on va descendre. Calme-toi le cheval. Ouais, ça c'est cool ça. Ah non, c'est des pieds sans vie, c'était pas ça que je cherchais moi. C'était la fleur jaune là pour l'alchimie aussi, mais. Allez, je pense qu'on va aller taper des noyeurs là sur le point. C'est près de l'eau. Il y a des points rouges dans l'eau en plus. Ouais, noyeur. Parfait, il me faut un cerveau de noyeur donc ça tombe plutôt bien. Ah merde. Ok. Ah le salaud. Ah, je suis nul. J'ai galère de ouf. Je les ai pas ciblés en fait, quel idiot. Ok, j'ai pas le temps de faire des attaques lourdes contre eux. Sinon je me fais des boîtes. Ok, je me suis fait exploser, mais comme une merde. Oh. Ok, ben ça c'est fait. Je sais pas de quand elle date ma sauvegarde en plus. Ouais, ok. Non, elle fait chier. Bon. Inventaire. Vous possédez une huile. Pour l'utiliser, appliquez-la sur votre épée. Sélectionnez l'huile. Appuyez sur A. Ensuite, choisissez l'épée pour vous en enduire. Alors, admettons que je l'applique. Admettons. Là, je l'ai appliqué.
Ah, je vois pas le... J'ai rien en jeu qui me dit que l'huile est appliquée. Est-ce que j'ai un mode qui est censé automatiquement appliquer les huiles? Et j'aurais voulu savoir quand est-ce qu'il le fait. Voyons. Auto apply all. Enable mode. Use and boss. Ok, bon. On y va. Du coup, mon point, il a pas été utilisé. C'est pas plus mal parce qu'en fait... Tant que je suis pas niveau 4 et que j'ai pas les huiles qui vont vraiment me servir, j'ai pas vraiment d'intérêt pour l'instant en tout cas à l'appliquer. Donc tant mieux, après tout. Bon, on va essayer de tuer les noyeurs quand même. On va pas rester sur une défaite. Ça devrait pas être bien compliqué normalement. Mon problème aussi c'est que j'ai une régénération de... De la mana, de la stamina, je sais pas trop comment ça s'appelle dans le jeu là. Assez faible, et du coup c'est chiant parce qu'en fait je fais un spell, et après j'ai plus de spell quoi. Elle te plaît, mon épée en argent. Ça c'est pas des nécrophages normalement. Ok, un de moins. Putain mais je l'ai esquivé, t'es sérieux par contre là? Abuse pas. Il y en a encore un là? Tu sors d'où toi? Tiens, boule de feu. Ok. Ça s'est mieux passé que tout à l'heure déjà. Ça pouvait pas être pire mais... bon. Un petit cerveau serait cool les gars. Ouais. Ah, arrête. Il est trop chiant, il se met à courir tout seul en fait, sans qu'on appuie sur la touche courir quand on se déplace. Ce qui fait que choper certains objets, c'est vraiment la galère. Quoi. Ok. Je reconfigurerai un peu mieux mon mode auto-loot également, parce qu'il est censé me faire looter les cadavres et les conteneurs sans que j'ai besoin de tout sélectionner. Mais malgré tout, continuer à m'afficher les résultats du loot pour que je sache quand même ce que je récupère. On va aller voir là-bas maintenant. Après, on ira là. Je peux mettre plusieurs marqueurs verts? Non, je peux pas. Ok. C'est parti. Mon médaillon vibre. Ça doit être un signe d'énergie. Ouh, c'est un gros truc à côté là. On va faire. Ouais, j'ai pas de vie en plus. Merde, 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 merde. Ouais. Le temps est propice au voyage. Qu'est-ce qu'il me raconte? Mais m'emmerdez pas. Je vais méditer un petit coup. Histoire de me régénérer la vie et je vais aller taper l'ours. Oh, je suis encore en aggro là. Ouais, je crois. Un petit raccourci. Ah, mais arrêtez. Vous êtes chiant. C'est trop loin. Oh, il est insupportable le jeu, arrêtez sans déconner putain. C'est comme mettre un mur invisible ou je sais pas quoi. Sans déconner. Bon, est-ce que je peux me régénérer là? Je pouvais me faire éclater par un ours. J'ai l'impression qu'il y a perpétuellement une tempête sur le continent par contre. Il y a une espèce de vent à chaque fois. Ça c'est fou. On va aller taper ce qui traîne ici du coup. Des goules. Le perso il s'est stun dans sa propre AoE de feu, j'ai l'impression, parce qu'il voulait plus taper. On sait pas pourquoi. Elles font quoi elles? Ramenez-vous là.
Les attaques lourdes sont vraiment lentes. Je me souvenais plus qu'elles étaient si lentes. Des gens de la forêt. Extrait de venin, sang de goule. Toujours des pissenlits. Il me faut des fleurs jaunes, mais c'est pas ça. Ok. Ça, c'est des herboristes. Peut-être qu'ils peuvent avoir les fleurs que j'ai besoin d'acheter. C'est pourquoi vous avez des apports. Ah, intéressant. Alors moi, il me faut 4 comme ça. Il me fallait des clioïnes ou un truc comme ça aussi, là. C'est peut-être ça. Sabline. Ouais, il y avait ça aussi, ouais. Tac, on en prend 4. Et je pense que là, j'ai assez pour faire ce que j'avais prévu de faire, à savoir l'huile contre les spectres. Super. Et c'est bugué. Je veux ouvrir la rubrique, je veux pas crafter une potion que j'ai déjà. Oh. Bon vent. On va passer par ce menu là. Ah, mieux. Et là, potion de l'hirondelle. Parfait. On va s'équiper de tout ça. Donc la potion hirondelle à la place de la potion de vigueur. On peut s'équiper à la place de la nourriture? Ah, on peut. Ok. On a les huiles. Donc les huiles empoisonnent. Quand j'aurai pris le talent, je le prendrai qu'une fois que je serai niveau 4, je pense. Pas avant. Et on va aller tuer l'ours. Alors ce serait idiot de pas méditer. On va essayer de pas consommer la potion qu'on vient de craft. Ce serait dommage. Et on va aller éclater l'ours qui doit être par ici. Vous allez voir souvent partie sauvegardée. Je vais faire beaucoup de petites sauvegardes, des sauvegardes rapides. J'ai rien à perdre à les faire. Un site d'énergie devrait y puiser. Ouais, j'aime pas ça. Ouais. Ok. Ok, reboule de feu peut-être. Ouais. Ah, c'est un pastel ça. Il est pas la même couleur que les autres sites d'énergie celui-là. Je sais pas s'il va me donner un point de compétence ou autre chose, je me souviens plus. Peut-être qu'il améliore le spell violet, vu que c'est violet. Je crois que c'est ça. Calme-toi. Ça va, il fait pas trop de dégâts en vrai. Moins de dégâts que les noyeurs. C'est d'ailleurs la bonne viande là à dépecer. Viande crue, peau d'ours, graisse d'ours. Non, c'est de la viande classique. Ok. Ah si, c'est un point de compétence également. Ok. Bon, les points de compétence, ils vont servir parce qu'il y a beaucoup de compétences à monter. La plupart sont sur 5 levels en plus. Donc, c'est pourquoi ? Non, pour rien. C'est pas du tout à toi que je parlais. Bon vent. Donc, voilà. Je vais souvent appuyer aussi sur Select pour ouvrir la carte, alors que c'est avec Start. Allez, c'est parti. Au galop, Ablette. Yeah. Oh. Alors, qu'est-ce qu'il y a sous le pont? Un coffre? Ouais, cache de contrebandier. Oups. De l'huile normale, il y avait. Ça, c'est étonnant, l'huile normale. Comment ça, de l'huile normale?
Ouais, c'était un composant d'artisanat. Ok. Ce que je ne me souviens plus, c'est si une arme qui est endommagée perd en dégâts quand on les compare aux autres. Armure légère 72%. Ok. Donc je pense à acheter le plus possible de matériaux de réparation quand j'en trouve chez les marchands. Et rapidement aussi une fiole de compétences pour attribuer les points quand il y en aura besoin. Assez vite, tablette. Alors on avait une quête principale, mais la Switch. Ils vont une quête suivie, pas principale. C'était. Ah non, c'est parce que je suis mort. Ok. Donc c'est là-bas. On va passer ici avant. Alors, je crois qu'on va tomber. Ah, des hommes. Ok. Alors, Ah. Quen. Salaud. Alors, on va essayer. On va essayer. Axi. Je me fais éclater. Alors déjà, il défonce l'archer, mais je vais tuer lui avant. Ouais, toi t'es mort. Oh, en plus c'était pas résistant. Hein. Exécution. Ok. Évidemment qu'on tue des ennemis qui donnent des bons stuff aussi, parce que là... J'ai des épées rouillées et des matraques en bois. C'est pas fou. Sandwich au poulet. Bah yes. Oh. Là, il y avait des trucs sympas par contre. Ok, on va reprendre le cheval. Arblette. Ouais, abuse pas, non. Voilà. Et on va aller voir ici. De mémoire, il y avait des choses à faire aussi. Juste à côté de la quête. Oh, tout doux, ma belle. Alors, est-ce que ça, c'était quelque chose qui était marqué? Non. Eux, ils sont pas marqués. C'est quoi, c'est des noyeurs? Ouais, c'est des noyeurs. Ok. Plus vite. Donc ça, c'est un village en ruine. On y va. Oh. Je suis étonné, j'ai l'impression que... Ah non, ok. Doucement. Ok, il y a du monde en haut. Ça doit être des brigands encore. Ça doit être les brigands qui ont mis à feu à ça dans la ville, je pense. Profite du chaos semé par la guerre entre la Temeria et Nilfgaard pour s'en prendre aux habitants, au village et tout ça. Ah, il faut... L'accès est compliqué, a priori. Par là ? Ouais, ok. Allez, tombe. Non. Ah, c'est pas lui que je voulais cibler. Voilà. Ok. Ok, ok. Tiens, prends feu. Voilà. Je bourrine un peu trop au niveau des attaques. On va trop mettre le feu, ça avait l'air de bien marcher. Ah, les execs, elles sont cool aussi. Génial. On aurait dit un chef, lui, là. Peut-être il a du stuff mieux que les autres.
Et oui, non. Alors, est-ce qu'il y a des choses à looter ici? Peut-être des plantes uniques, vu l'endroit. Brion. Ok. Il devrait y avoir des coffres ou quelque chose aussi. Une lettre. Ouais. Un coffre. Ok, il y a une épée en acier, un schéma, ouais. Plein de petits trucs. Ok, oh, c'est cool. Ils m'ont pas touché, je crois. Je m'améliore. On va essayer de descendre, voilà, sans se péter les jambes. Parfait. Et on va aller voir le PNJ de la quête. Calme-toi, le cheval. Tout va bien. Bon, qu'est-ce qui s'est passé ici, mon ami? Vous parlez souvent à votre chien? C'est celui de mon frère Bastien. Mais, vous voyez, Bastien a combattu les... Fais comme moi, je lui dis. Coupe-toi un doigt ou deux, ils t'enrôleront pas. À votre place, j'irai voir sur le champ de bataille. Je l'ai fait. Un océan de cadavres et de goules. On m'a dit qu'elles avaient peur du feu, alors... Il est de gueule, le chien. Vos deux épées, là. Ça doit pas être pour la frime. Venez avec moi. Ouais, si tu payes à manger, hein. Entendu. Seulement, la bataille remonte à plusieurs... Sans blague. Mais... Je tiens à retrouver son corps. Retrouvez-moi sur la colline qui surplombe... Ça marche, mec. On va le retrouver, ton frère, t'inquiète. Ou son cadavre, en tout cas, mais... On va retrouver quelque chose, pas de problème. Il y a plus de flair qu'un chien de sorceleur, donc ça va le faire. Hein. Ouh, il y a du monde quand même là. Oh, enculé. Ils ont une portée, ces noyeurs là. Elle meurt. C'est vrai qu'ils sont un peu teuteux et qu'ils m'attaquent pas tous ensemble, mais... Ok, suivant. Vraiment trop bien unis. Y'a pas à dire, ce spell il est vraiment trop bien. Parfait. Avec le sang qui se fait emporter par l'eau, là, dans le courant. Plein de petits détails sympas, j'aime bien. Eh ben, ça en fait tout ça, des pages, des schémas, des machins et tout ça, là. Je crois que j'ai chopé des bonnes armes et des bonnes armures aussi. Je vais aller les équiper avant d'aller combattre les ghouls. On va méditer un petit coup aussi. Hop. Voyons. Oh ouais, j'ai des cuirasses et tout. Alors déjà les épées. Ouais, ok, elles sont toutes nazes. Je pourrais tout revendre, c'est pas bien grave. Ça me fera de l'argent. Les gants, ils sont bien, je m'y attendais. Armure lourde. Je sais plus quel impact ça a d'équiper une armure lourde ou une armure légère. Est-ce que ça fait une différence? Je crois qu'il n'y a pas de fatrol à la Dark Souls. Donc je sais plus trop à quoi ça sert. Alors... le champ de bataille il est là-haut. Et en chemin on a quelques petites quêtes encore à faire. On va aller là-bas déjà. Le cheval, par contre, on sent que l'IA, elle est pas top, quoi. Même quand il est à 2 mètres d'un obstacle, il s'arrête au milieu de la route et tout.
il bute dans des buissons. Ouais, c'est vraiment pas ouf le cheval. Lui il a pas d'armure. Il a pas d'armure mais il a tanké quand même. Et là-bas il y a un déserteur encore. Je me souviens plus s'il y avait les execs à l'époque, je crois pas. Ça a dû être ajouté après. À l'époque j'entends le jeu Vanilla sans DLC, sans rien. Même avant qu'il y ait les premiers gros patchs et tout ça. Quelques petits florins. Je pense que je vais réussir à m'acheter avec toutes ces quêtes là. Je devrais réussir à m'acheter le stuff relique là avant d'aller taper le griffon. Ça fera pas de mal. Je pense qu'on aura le temps d'aller le taper aussi pendant cet épisode, le griffon. On est qu'à 30 minutes, il y a moyen. T'es sérieux là, tu veux pas sauter? Ouais, c'est vrai que c'est un peu haut peut-être. Peut-être pas envie de te péter les pattes, je comprends. Alors il me semblait qu'il y avait une quête par ici. Grosso merdo. Ici, ouais. Ok. Ok, dégoule. C'est dans le thème, puisque je vais aller en tuer dans pas longtemps. Alors là, typiquement, je me demande si j'ai une huile qui est appliquée. Est-ce que je dois me battre contre des nécrophages, en théorie, là. Regardez ça de suite. Glossaire. Non, je m'en fous. Bestiaire, les nécrophages, c'est bien ça. Donc là, je suis contre des nécrophages. Les noyaux en étaient aussi. Ouais, ok. J'ai bien une huile à nécrophage à utiliser actuellement. Je sais pas si je vais me spécialiser dans l'attaque lourde ou dans l'attaque légère. Pour le moment, je suis pas décidé. Peut-être dans les deux, mais vu qu'il faut rationner un peu les points de compétence et faire gaffe à ce qu'on monte, faut que je réfléchisse à tout ça. Et donc, ils étaient en train de tuer une bestiole ou quelque chose ? Je vais m'en débarrasser. Pour détruire un nid de monstres, il vous faut une bombe, ruche, saumon ou étoile dansante. Placez-vous en face du nid et appuyez sur A pour le faire sauter. Est-ce que je prends le craft? Je pense pas. Je crois que j'ai déjà crafté tout ce que je pouvais. Ouais, j'ai rien. Ok. Bon. C'est con parce que je retourne en plus tuer des ghouls. Il y avait des herboristes avant le pont, peut-être que je peux retourner les voir. Ils doivent avoir ce qu'il me faut. Ils étaient là-bas. De mémoire, ils étaient ici. Je vais y retourner rapidement. Parce que si la quête me demande aussi de péter un nid de ghouls à la fin, au moins j'aurai les bombes quoi. Du nerf, Ablette. Je sais pas très très loin. Ça va être rapide pour y aller. Sauf si le cheval est mongolise, mais... Il va canner en fait. Hein. Oh, allez, t'as pas touché, arrête. C'était pas ici? Ils sont barrés? Il est où l'herboriste là?
Ils sont cassés. Ah bah yes. Comme plaisir. Bon, on va se re-TP. Doucement. On va aller voir Dune. J'ai l'impression qu'il fait souvent nuit aussi. Ah, vous voilà. Au milieu de beaucoup d'autres. Vous en faites pas. Les recrues de Blanchefleur ont une petite fleur peinte sur leur écu, pour s'identifier pendant les combats. Sans vouloir jouer les pénibles, plus d'un soldat. Si on ne trouve que le bouclier, Hussard se fiera à l'odeur pour nous conduire à Bastien. Les objets peuvent parfois vous diriger vers une zone que la position exacte de votre cible n'est pas connue. Rendez-vous dans la zone indiquée. Ok. Et bien, let's go. Il y a tant de cadavres. Et la guerre ne fait que commencer. J'avoue que c'est un sacré charnier. Oh là là, Shibo débloque dans une soupe. J'imagine que ça va être à moi de chercher. Alors, quoi d'autre? Un peu longue de Nilfgaard. J'aimerais bien looter les ghouls que j'ai tués aussi. Voilà. Je crois que le sang de ghoul il va me servir plus tard, mais je sais plus à quoi. Je dépouille les cadavres. C'est lui? Non. C'est le fils d'un voisin. J'ai l'impression que le chien il est grave vénère alors qu'il n'y a rien. Tu sens Bastien le chien? Toujours rien. C'est lui? Non. C'est le fils d'un voisin. Ça fait beaucoup de voisins. En même temps, si tout le village a été enrôlé, ça se comprend, mais... Allez, la peau est toute brûlée. C'est sûrement difficile à savoir, mais... est-ce que ça pourrait être lui? Ah, trouvé. Il l'a trouvé! Hussard est sur une piste, venez! Ah non, c'est le chien qui a trouvé. Il se bat ou quoi? Avec un peu de chance, il est pas mort en fait. Mais ce n'est pas tout. Mon lieutenant a exigé qu'on défecte sur commande. Il pleuvait dru des traits de baliste et tout ce qu'il répétait c'était « Les soldats au ventre plein ne feront pas un pas de plus. Chier tous, c'est un gardien intémérien. » Arrête! Tu me tues! Rire me fait mal au couette. Un emplâtre s'impose. Mais d'abord, je peux savoir ce qui se passe ici. Bastien? Est-ce que ce Nilfgaardien t'a capturé? Non. Il m'a sauvé la vie. J'ai été touché au flanc, puis à la tête. J'y voyais plus rien. Ce type Rosine m'a trouvé en rampe. Je te ramène à la maison. Pas question d'abandonner Rosine. Seul, il est foutu. Et il peut pas rejoindre les... Et s'il découvre qu'on cache, on sera tous pendus. Ah, alors qu'est-ce que je fais? Non, le sorceleur, il est... honnête, moral, mais avide de pognon. Donc faut être droit. Bastien s'en est sorti grâce au Nilfgaardien. Ma foi, on peut lui filer des habits. Merci, sorceleur. Et mon argent maintenant? Combien tu me payes?
sait pas combien on est payé à chaque fois. C'est frustrant parce que je fais quand même un petit peu tout ça pour l'argent, quoi. Bon. Allez voir Vesemir. Normalement, on a bien looté ici en plus, là, le continent. Alors, je pourrais faire tout ça là en revenant. Je suis niveau 4 ou pas encore? J'ai récupéré une chasse au trésor, niveau 6. Je suis niveau 2. Ah ouais, je suis même pas niveau 4, non? Ouais, je pensais que j'étais niveau 3 et demi sur la fin, mais non, je suis à peine niveau 2, quoi. Revenir à Blette, encore. C'est bien à Blette. Du coup, on va faire toutes les missions en revenant tranquillement au village du début, histoire d'acheter le stuff si on peut pour le griffon. Wow. Ah, c'est un nid de boule encore, mais je vais pas pouvoir le brûler, donc est-ce que ça vaut le coup de le faire? Je suis pas sûr. Ah, mais il y a un truc d'aptitude à côté. Ce doit être un site d'énergie. Peut-être je peux le faire sans énerver les ghouls. Ah ouais. Bon, je vais quand même aller les éclater, mais... Ça fait toujours de l'XP, même si c'est pas énorme l'XP pour tuer les monstres dans le jeu, il me semble que c'était pas grand chose. Très agile comme combat le sorceleur. Hein. Il fait des pirouettes, des machins, des esquives, des saltos. On peut pas détruire. Ok, toujours pareil, hein. On n'est pas étonné de toute façon. Ok. Au moins ils sont marqués, on pourra revenir les faire facilement. Et ça ferait de l'XP. Si je trouve un arboriste en chemin, je vais essayer de me concocter les grenades là, les bombes. Mais c'est pas sûr que j'y arrive. Pour l'instant. Je ne compte plus les lieux à parcourir. Ah, on est vraiment limité au niveau de la zone. Le jeu veut vraiment pas que... Plus vite. On se barre loin. Il m'a remis en bas de la montagne, il fait chier. Ah, ah la galère. Heureusement on fait pas les chutes de fou qu'on faisait dans Red Dead Redemption. Combien de fois je suis mort à cheval dans Red Dead? On va revenir ici. Vous autres Nordiens. Je sais pas s'il peut. Non, il peut pas. On va le rappeler de l'autre côté. Avec un peu de chance, il va réapparaître ici. Sinon, bah, pas de bol. Ouais, pas de bol. Ah, si, c'est bon, il arrive. En fait, il y avait un pont, je suis un peu teuteux en fait. C'est pas grave. Enfin, il y avait deux ponts en fait pour le faire. Ça, c'est le griffon, ça? Ouais, j'ai pas envie de le faire maintenant. Je pense que je vais plutôt faire toutes ces quêtes avant. D'ailleurs, on va retourner là-bas. On va aller voir l'herboriste. En avant!
Si le nord est là, l'herboriste est à l'ouest. Je crois. Elle est pas à l'ouest? Non, elle était à l'est et en plus par au sud. Comme ça, tout va bien. Ok. Donc là-bas. Alors toi, j'ai besoin que tu me vendes de quoi concocter des potions, des grenades. Pas des potions, mais des grenades. Je veux. Du salpêtre, du calcium écume, de la chélidoïne et du soufre. Ça en fait des choses. Au moins, avec tout ça. Oui. Vous avez des herbes à... Je dois pouvoir vous trouver. Ok, donc elle vend le salpêtre aussi. Ça, c'est une bonne chose. Oh, c'est cher. Oh là là. Ça, on va en acheter 4. Le soufre, ça coûte cher aussi. Ouais, 20. Il y avait ça. Ça coûte combien, ça? 40. Ok. Et les fleurs m'ont coûté combien? 5. Autant les faire avec les fleurs, hein. Elle rachète pas les armes, j'imagine. Non, évidemment. C'est le griffon qui lui a fait... Oui, pauvre Leila. En pleine nuit, dans les... Oui. Ses blessures guérissent. Je vais tuer le... Ça m'étonnerait. Si ce n'est pas le griffon... D'après vous, que... Elle va me filer des quêtes, sérieux? Il n'y a pas de marqueur pourtant. Mais n'imaginez pas que vous allez changer les... Ah ben non. Vous avez entendu parler... J'ai entendu parler d'elle. Claire était mon amie. Le Seigneur et ses hommes ont voulu les persuader de revenir. Ils voulaient... Ça fait beaucoup de mal. Elle a... Ok. Est-ce que je... Ouais, je vais revider sa plantation qui était ici. Voilà. Ok. Alors, alchimie. Non, alchimie. Voilà. Quoi, je pouvais en faire qu'une? Mais non. Oh. Oui. Pourquoi j'ai pu en faire qu'une là? C'est sérieux? Une potion. Premier signe du printemps. Symbole de... On verra. Sur moi, l'effet est immédiat. Qu'est-ce qui vous a décidé? Je ne peux pas la laisser mourir sans rien. Vous me plaisez. C'est embêtant s'il faut faire plusieurs lignes de dialogue pour... Vous remercier. Pour les quêtes, parce qu'elle m'a dit non, elle m'a jeté, elle m'a dit qu'elle voulait rien. J'avais une potion d'hirondelle et en fait c'est en revenant lui parler qu'il lui propose quoi, donc... Je vais pouvoir vous trouver ça. Par contre ça fait masse XP. Bon, on va acheter du soufre. Et on va acheter ça. Je pourrais pas lui vendre des composants alchimiques que j'ai en grande quantité des fois. Ça vaut que dalle. Ça vaut que dalle. Ça vaut un peu, mais c'est pas non plus fou. Ça, c'est ses fleurs de son jardin. Mouais. Ok. Au revoir. J'ai oublié d'acheter ça encore. Oui. C'est une catastrophe. Je pense à rien. Je dois pouvoir vous trouver ça. Je ne pense à rien. C'est quoi ça d'ailleurs? Eau de vie
et moi est immaculé. Ok. Donc je voulais acheter les petites pierres là. Il m'en faut deux. Et comme ça je pourrais me débarrasser des nids de ghouls. Ok. Au revoir. J'ai eu des nouveaux objets aussi. Alors voyons un peu. Ok, au niveau de l'alchimie peut-être. Huile contre les créatures maudites. Il me faut de l'aquin. Peut-être comme... Oula non, je voulais pas faire ça, pardon. Tu me pardonnes? Je peux te parler? Oui. Okay. Vous avez des herbes avant? Je dois pouvoir vous trouver. De l'aquin. De l'aquin, de l'aquin. J'en vois ici. Parfait. Ce mode pour les huiles, s'il marche bien, ça va être vraiment cool parce qu'en général, on pense pas aller tout le temps dans l'inventaire, appliquer les huiles et tout. Au moins là, ce sera fait. Parfait. Bon. Donc on a level up, on est niveau 3. On va aller là-bas maintenant. Et je vais peut-être aller voir le forgeron du village là. Ah non, c'est une meule aiguisée juste. Ok. Ah, il n'arrive pas à monter sur son cheval. Voilà. Bon, pour l'instant, je prends beaucoup de plaisir à rejouer à ce jeu que j'avais saigné à l'époque. J'espère que ça va continuer, que je vais pas me lasser. J'ai tendance à me lasser des jeux assez vite, vous l'avez peut-être vu sur certaines playlists ou quand c'est trop rébarbatif, j'arrive pas à terminer. Malheureusement. Je vais pas sur le bon marqueur. Parfois certains jeux sont extrêmement prenants au début. Et au fur et à mesure qu'on les fait, petit à petit on finit par lâcher parce que c'est très redondant. Par exemple, je me suis fait toute la série des métros offline. Donc Métro 2033, Last Light et Exodus. 2033, j'ai adoré la découverte. Last Light, j'ai commencé à en avoir un petit peu marre. J'étais pressé d'arriver à Exodus. Et Exodus, en fait, je ne l'ai pas fini alors que je le trouvais vraiment incroyable par rapport aux deux autres parce que j'en avais marre. J'avais bouffé les 3 métros d'affilée. Ça commençait à faire beaucoup. Alors que les jeux sont assez rapides en plus à faire. Je me lasse malheureusement assez rapidement des jeux. Clé ornée d'un listémérien. Intéressant. Je sais pas où ça va ça. Il y a des choses sous l'eau. On va aller voir. Ah ok, c'était ce coffre là direct. Au moins, j'ai pas besoin de galérer. J'ai le chat qui me rend visite, je sais pas si on va l'entendre sur la vidéo, j'espère pas. Il est jeune, je l'ai adopté il y a pas longtemps là, du coup... Il fait plein de conneries. Il m'a bouffé le câble d'une souris déjà. Alors, on va aller là-dedans. Je sais pas si ça fait beaucoup d'XP, les trucs que je suis en train de clean. Je pense pas, je pense que ce qui rapporte vraiment de l'XP, c'est les quêtes. Les quêtes globales. Allez. Comme soigner... Un site d'énergie. Devrait y passer. La fille et tout ça. Ah, ça va être trop simple. Ouais, voilà, là ça a mis automatiquement l'huile de spectre, a priori. Ce qui nous permet de toucher le spectre. Ah putain, j'ai pas vu le didacticiel. Oh, je suis dégoûté. Bizarre. Je crois que c'était hard pour ouvrir.
Une crypte. Alors du coup, je vais prendre les poisons sur les... Waouh, j'ai pu parler. Je vais prendre l'empoisonnement avec les huiles, mais ça va pas m'utiliser beaucoup de stacks là. J'ai pas mal level up. Ce que je vais faire, je pense que je vais retirer la régène automatique, puisque pour l'instant je médite à chaque fois de façon. Et comme ça, je vais mettre le poison. Ça, c'est cool ça. Quand je serai niveau 4, je mettrai une compétence aussi également. Ah, en plus, ça a fait un lien parce que c'est vert et vert. C'est cool ça. Et puis après, ouais, ultérieurement, je vais mettre un premier buff, je pense, sur les attaques lourdes. Parce que j'essaye quand même de faire un max d'attaques lourdes, quand même. Alors voilà. Donc c'est ça, ça applique automatiquement les stacks de d'huile. À chaque coup, ça me consomme un stack. C'est déjà mort. T'es vraiment nul. Oh, du loot. Bon, c'est pas du gros loot, c'est des vieux champignons, mais... Épée d'ornale. Oh. Trois épées bleues au même endroit. C'est cool, ça. Ça me plaît bien. Ok. Voyons ces épées, là. Ouais, plus 8, cool. Identique mais bleu. Par contre, 77 de dura, alors qu'elle 67. Chance d'infliger saignement. Bonus dégâts critiques. Et elle a la chasse. Et elle est encore mieux. Ok, dommage, j'ai eu 3 épées du même type. C'est dommage. Ok, on peut sortir d'ici. Mon médaillon vibre. Je l'ai pas pris le site. Ah mais je l'ai pas pris. Ah celui-là a augmenté directement le signe. Ok. Tout cool. Ça me plaît. Carte du monde. Du coup on a fait les deux trucs qui étaient ici. On va partir vers là-bas. Comme ça on va brûler les Nidghouls. Et au pire on fera tout ça après. Je suis curieux d'aller brûler les Nidghouls pour voir ce que ça va me rapporter, parce que ça coûte cher de faire les bombes quand même. Du moins en début de jeu, ça coûte cher. Je vous rappelle que je dois essayer d'économiser 1000 florins pour acheter le stuff relique, mais ça risque d'être tendu quand même. Sauf si toutes les armes et tout ça que je récolte se vendent cher, mais bizarrement j'en doute. Ouais, Kanru, les wargs. Alors il y a des wags et il y a des loups, je sais pas quelle est la différence entre les deux. Ah si, le wag il a quand même l'air plus vénère. Ouais. Trop bien. Plein de trucs à looter. J'adore ça. J'ai dû faire une micro coupure. Excusez-moi. En plus c'est à la toute fin de la vidéo parce que je vais l'arrêter là. On est quasiment à une heure de vidéo. On va pas tarder à arrêter, ouais. Je finis de looter tranquillement cet endroit. Alors, est-ce que je peux équiper des meilleurs pantalons peut-être ? Ouais. Pierre runique. Vous pouvez utiliser des pierres runiques pour améliorer vos armes. Ouais, mais j'ai pas envie pour l'instant. Ok. On va lire tout ce qu'on n'a pas lu. Là.
Ouais, ça nous ajoute des intros bestiaires et tout. On vaut mieux les lire. Parfait. Écoutez, on va s'arrêter ici pour ce troisième épisode. Je vous remercie de suivre la série. J'espère que ça vous plaît. J'espère que les modes graphiques aussi vous plaisent et que ça vous donne une autre vision du jeu. Et on se retrouve très bientôt pour la suite.